Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh putain, cette dégaine, c'est pas possible. Et bienvenue à cette nouvelle vidéo, nouveau weekly vlog. Je vais essayer de vous emmener avec moi dans cette semaine. Bon, je pourrais pas trop vous montrer en réalité ce que je fais lundi, mardi, mercredi, donc au travail. Mais j'essaierai de vous reprendre le soir pour vous montrer des petits trucs assez sympathiques parce que j'ai un programme très chargé cette semaine. Je suis encore malade, on est ravis. J'ai un petit peu de voix déjà, c'est cool. Pour aller bosser ce matin, ça peut être plutôt pas mal, plutôt utile une voix, c'est sympa. Donc il est extrêmement tard, je me suis réveillée extrêmement tard. Parce que cette nuit, il y avait une de mes voisines qui a mis le son à fond jusqu'à 4-5 heures du matin. Donc j'ai rien dormi. J'ai dormi 2 heures. Là, il est 7h51. Voilà, je suis censée partir. Je suis censée être déjà dans le bus. Je n'ai pas mangé, je ne suis pas prête, je n'ai rien. Alors donc on va se dépêcher ce matin. J'avais fait des pancakes. Une fourrée de Nutella. Donc écoutez, on va se faire un petit pancake. Ça va être le petit déj express. Bon, bah écoutez, c'est parti. J'ai une dégaine pas possible. Je suis fatiguée, je suis très en retard. Dans le RER, tout le monde dort, tout le monde est malade. Tout le monde, vraiment, les gens ils ronflaient dans le RER. Et je trouve ça abusé. Parce que ça veut dire qu'on est fatigué pour aller au boulot. Et je trouve pas ça normal qu'on soit fatigué à ce point. Je viens de rentrer enfin, il est 19h et quelques. J'ai tout téléphoné avec mes parents en FaceTime, donc j'ai pas pu vous reprendre après. Du coup, j'ai posé mes congés payés pour le mois de décembre pour aller au ski. Et finalement, c'est pour rien. Parce que je vais pas au ski. Je suis vraiment déçue. Genre, je suis trop déçue, j'aurais trop voulu aller au ski. Mon père il peut plus, ma soeur ne peut plus. Donc, bah voilà. Ça me saoule un peu, je vous avoue. J'étais vraiment trop déçue. Oh mon amour, tu fais des câlins à mon pied là. On aurait été au ski tous les deux, mon amour, ça te tente? On va au ski tous les deux? Moi je suis chaude, hein. Je t'emmène au ski. Hein. On va au chalet, on va se louer un super chalet, villa, hammam, spa, jacuzzi. À 2000 euros la nuit. Non mais vraiment, je suis un peu déçue. J'avoue, je suis pas dans un bon mood. Enfin, cette semaine, je suis pas dans un bon mood parce que c'est une semaine assez compliquée pour moi, personnellement parlant. De toute façon, le mois de novembre n'est pas fifou pour moi en règle générale. Et cette semaine là particulièrement, c'est pour ça que je vous prends en vlog parce que. Ça va me faire peut-être penser à autre chose. On ne pleure pas. Et du coup, comme ça va pas trop, et que bah, plus la déception de ce soir, bah là ça rajoute une couche. Plus mes règles, plus les hormones, franchement on est pas mal au niveau sentiment là. Je pense que je vais demander à mes potes s'ils sont disponibles, ceux qui habitent juste à côté de chez moi, s'ils sont disponibles pour aller se boire un verre. Genre une heure ou deux, et après faudrait que je vous montre ce que je vais faire pour Damien, pour mon meilleur ami du coup, pour demain, parce que demain on va manger au resto. Parce que là j'ai besoin d'un Virgin Mojito là chez l'Indiana. Après je vais me laver et je vais manger et je vous montrerai du coup le coupon. Donc je vous dis à tout à l'heure, j'espère qu'ils sont tous dispo. Mais généralement cette semaine là, comme ça fait 25 ans qu'on se connaît, ça serait bien que cette semaine là ils doivent être tous à dispo, ok? Du coup je vous montre ce que j'ai fait pour mon meilleur ami. J'ai fait des tickets pour le Paname Comedy Club pour deux personnes du coup. Parce qu'en fait on peut pas prendre des billets pour un cadeau. En fait il n'y a pas de ticket cadeau, enfin ce genre de choses. Donc bah, j'ai fait ça sur Canva. Donc je vais les imprimer et je vais les plastifier, donc je vais vous montrer tout ça. Ça ressemble du coup à ça, c'est plutôt réaliste, hein. Puis c'est les mêmes couleurs que le Paname Comedy Club, donc je suis assez fière de moi. On va découper les deux tickets, on va mettre le recto et le verso ensemble, et un autre recto et verso ensemble, et ensuite on va plastifier tout ça. Bon, j'ai dû les refaire parce que ceux-là, je sais pas pourquoi, mais enfin, je crois que j'ai un peu trop coupé, du coup ça a coupé le plastique. Et voilà pour les tickets, je trouve ça vraiment trop joli, c'est trop beau. Donc je vais faire une petite enveloppe et écrire bon anniversaire, on t'offre deux places pour machin. Voilà pour ce soir, plutôt pas mal je trouve, hein, non? Nous sommes le lendemain, je suis extrêmement en retard comme d'habitude. Bon, voilà la petite tenue du jour, petit col roulé Primark. Salon Stradivarius, voilà. Je me suis un petit peu bouclé les cheveux. Et je vais me dépêcher parce que là, c'est la merde. Donc on se trouve ce soir pour l'anniversaire de mon meilleur ami. Ah non, mais vraiment l'horreur. J'ai sorti du boulot à 18h du coup. Et je vais vers la 8. C'est blindé, j'ai attendu une demi-heure, hein, t'as un métro disponible. Il n'y en avait aucun, il y avait mon chef qui est arrivé derrière moi. Moi, il était toujours là. Je fais bah ouais, grave. C'est chiant. Et du coup, je dis, vas-y, je vais faire ça à pied parce que vraiment, il y a 35 minutes de marche. C'est pas grave. Donc là, je suis à Tuileries. Il a fait le chemin jusqu'à Tuileries avec moi. Et bah, dans 25 minutes, j'arrive du coup au restaurant. Je suis ravie, vraiment ravie. Mais regardez comment c'est beau chez Christian Dior. Genre vraiment, à chaque fois, ils font des décos incroyables. Mais le matin, ça va être On est enfin arrivé comme un bouillon.
Et je trouve que notre table est à l'étage. Ah, il y a Claudia qui est arrivée. Bonjour. Vraiment pas. Comment dire, je n'aime pas. Comme ça, on sait ce qu'on a mangé là. C'est pour Isa. Attends, c'est ce qu'on mange. C'est Instagrammeux. Mais non, mais la dernière fois, on savait plus ce qu'on avait mangé, du coup, on a rangé. Il est payé pour ça. Excuse-moi, faut tourner là. Exactement. Ok. Je fais passer. J'ai pas compris. C'est pas grave. Mais tu l'as hyper bien fait, il me semble. En plus, on est pas du tout là. Pas du tout, ouais. Merci. Et bonne fin de repas. Merci. C'est de la crème. Tu mets ça sur ma serviette, t'as une serviette. C'est tes bougies. Bon, je viens de rentrer, vraiment une horreur ces transports. Ah, là au restaurant, il y avait une demi-heure de marche. Et du coup, il n'y avait plus de transport. Enfin, il y avait des transports, mais c'était blindate. Genre, c'est impossible de passer. Ils étaient tous blindés, j'ai laissé passer pendant une demi-heure des métros, c'est pas possible. Après je me suis dit vas-y je vais prendre la 13 pour m'avancer un petit peu. MDR, c'était pire. Et après donc on est allé au restaurant, franchement le restaurant très sympa. Par contre la dame qui faisait le service elle était pas aimable, enfin celle qui fait le service du haut elle est pas du tout aimable. Genre entrée plat dessert on en a eu pour 20 balles. Donc franchement c'est fait maison, c'est très bon en plus. Les portions sont bien, je vais aller me coucher parce que demain... J'ai un chat qui est fou. Demain, bah, lever tôt parce que je pensais que j'allais en cours demain en fait. Non, je vais encore au boulot. Genre, je me croyais mercredi aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Et je suis en train de me démaquiller avec ça, c'est vachement bien. Ça fait effet lotion en même temps. C'est la vitamine C et je vous jure, c'est un truc de ouf. Je préfère celui-là que le biphasé. Et je mets la crème La Nature au thermal Jonzac, celle-là. Elle est très réconfortante. J'ai vraiment la peau toute douce le lendemain. C'est un plaisir d'appliquer cette crème. Elle est un peu épaisse. Donc, je vais prendre mon sirop et je vais aller dormir. Donc à demain tout le monde. Bon, nous sommes le lendemain et je suis absolument pas en retard, c'est un truc de ouf. Je crois qu'il est 7h40. Je vais y aller tranquillement pour une fois. J'espère ne pas avoir de problème sur le RER parce que là, hier, franchement, j'en pouvais plus. Et sur Instagram, vous avez adoré cette veste, genre elle est trop trop belle. C'est Karl Kani, je crois. C'est à mon copain, c'est pas à moi. Donc je lui pique ses vêtements. Effectivement, voilà, la dernière fois, c'est sa veste noire. Et après, il s'est ramené avec cette veste-là. Je me suis dit, mais on fait un échange, je veux cette veste. Elle est super chaude. Vraiment, j'ai juste un tout petit pull tout fin de chez Primark en dessous et j'ai super chaud à chaque fois. J'ai beaucoup de travail aujourd'hui. Je sens que je vais avoir très très mal aux yeux. Je vais mettre mes lunettes anti-lumière bleue. Je viens de rentrer enfin. J'ai des examens pour ma santé physique au laboratoire. Chaque année en fait j'ai des problèmes aux poumons. Bon c'est assez fréquent chez moi du coup, j'ai des petites infections. Et je vous ai pas montré ma tenue horrible du jour. Franchement je fais aucun effort, j'ai mis le même pantalon depuis 3 jours parce que bah comme j'ai mes règles, bah, je mets des culottes de règles et il y a que là qu'on voit pas trop. Vous savez la trace là, je déteste ça. Et j'ai mis un petit pull et tout, enfin bon j'essaie. En plus je suis partie plus tôt du bureau, enfin plus tôt. Je suis arrivée plus tôt au bureau, je suis arrivée à 8h30 et je suis partie donc plus tôt. Donc voilà, je sais pas. En gros, j'étais prise beaucoup plus tard, j'étais prise à 19h au lieu de 18h30. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, voilà. Mais j'étais fatiguée. Et juste après, en fait, il y a mon pote qui m'appelle. Il me dit, ouais, ça te dit et tout qu'on allait boire un verre et tout à l'Indiana, on se prend un mojito, je te l'offre et tout. Donc j'étais en mode, oh, j'avais envie de pleurer. J'étais à bout. Bah, du coup, je suis allée boire un verre avec un de mes meilleurs amis à l'Indiana. Un petit mojito gratuit, ça m'a fait vraiment du bien. Sachant que cette période-là, genre cette semaine-là, vraiment, de toute façon, chaque année, je le dis, mais ce sera toujours la même chose. C'est pas une bonne période pour moi, c'est pas ouf. Je pleure souvent dans les transports, je fais que chialer. Genre, les gens me regardent trop avec empathie. Mais vraiment, je fais que chialer dans les transports. J'arrive au boulot, j'ai les yeux éclatés parce que je pleure. Et ça arrive d'être triste. C'est normal d'être triste. C'est normal d'extérioriser. Donc, c'est ce que je fais actuellement. J'ai reçu sinon, bah... ma petite commande de la lab, je vais peut-être vous montrer, je sais pas s'il y a de la lumière, oh, ça va le faire. Les petites photos que j'ai reçues de la lab. Et du coup c'est une box, donc c'est eux qui me l'ont envoyé, donc c'est un produit offert. Elle est trop belle la box, j'aime trop les photos de la lab. Et j'espère que c'est au bon format parce que normalement oui. Oh là là, je suis trop contente. Vous savez, j'ai un mur de photos dans mes toilettes. Et genre là, c'est les photos de mes amis avec moi, enfin voilà. Voilà, c'est des photos comme ça, d'Athènes, ou encore... bah celle-là du coup, enfin voilà, donc je vais les mettre dans mes toilettes. Bah, par exemple là il y a mon chat, enfin il y a vraiment des photos, what the fuck. Il y a moi avec la fille de mes voisins, il y a un de mes meilleurs amis, il y a encore mes meilleurs amis, celle-là je crois que vous l'avez déjà vu. C'est moi, Milo, ça il y a mon père,
Là, il y a le... quand j'étais à Rome, à Mykonos. Moi qui garde l'enfant de ma sœur à la campagne chez mon père, là, genre j'étais en PLS. Enfin voilà, j'ai trouvé pas mal de belles photos. J'ai pris aussi celle-là de photos que je vous ai mis sur Instagram, que j'aimais beaucoup. Aussi les pieds de Cindy quand elle a marché dans la merde à Athènes. C'était extrêmement drôle, franchement, j'ai adoré. Enfin voilà, moi, encore une fois, à Athènes. Enfin, des petits souvenirs comme ça. Moi avec Massa. Et je crois que j'ai un code promo pour vous, du coup n'hésitez pas à en profiter. Je vous mettrai juste là. Ils font des box et tout. Pour Noël c'est pas mal je trouve, ils faisaient des trucs cadeaux pour Noël, donc n'hésitez pas à en profiter pour ça. Donc voilà, j'ai tout ça de photos, j'en ai 25 dans mes souvenirs et on va pouvoir les accrocher après dans la... Bah dans les toilettes, ça va être trop bien. Mais merci beaucoup à Lala de m'avoir envoyé les photos, ça va être trop bien. On va décorer un peu plus les toilettes. Voilà. Non mais regardez-moi ce petit chat quand même. Il va trop mignon. D'une beauté mon cœur. Vraiment. Il a voulu se placer là, genre il a gratté avec ses pattes et tout. Et il me regarde avec des yeux d'amour. Alors qu'il y a du chauffage hein les gars, il y a du chauffage, il est pas là pour se réchauffer hein. Tu m'aimes donc vraiment mon cœur? Bah oui. Je suis ravie. Je suis partie de la maison à 7h40. Donc en gros j'avais le temps. Et là il est 9h20. J'ai mis genre une heure de RER. Il pleut. Gros bordel. J'étais bloquée à Cité Universitaire pendant une demi-heure. Ça me saoulait. Après le terminus c'était d'enfer Rochereau. Donc j'ai dû prendre un bus pour aller au Luxembourg. Un bordel. Donc voilà, je viens seulement d'arriver au Luxembourg. Enfin à Luxembourg, Luxembourg, voilà. Et j'ai cours à 9h et je suis en retard et sans parapluie. Génial. Je viens de rentrer, j'ai pas pu vous filmer aujourd'hui parce que j'étais débordée. Ce midi j'ai mangé McDo, genre vraiment un truc de merde. Et en fait on n'a pas, toujours pas de micro-ondes, donc je peux pas me faire à manger. Enfin je peux me faire comme ça à deux pattes et tout, mais j'ai rien pour faire ça. Donc demain rebelote, je vais re-acheter des petits trucs, ça va être super sympa. Il y a des vêtements qui traînent sur ma table, tout va bien. Mon chat, t'es où? Qu'est-ce que t'es pas, ça, mi principe? Tu veux de la pâté, mon amour? Oh mon pauvre chat. Du coup, aujourd'hui, c'était plutôt sympa parce que c'était assurance. Et en fait, c'est un monsieur qui est dans les assurances. Et en fait, on fait exactement le même job, mais dans. Bah, lui dans les assurances et moi dans autre chose. Donc, ça m'a fait vraiment rire. Genre, il me montrait ce qu'il faisait et tout. Et moi, j'étais en mode, mais c'est exactement ce que je fais. Genre, c'est vraiment ouf. Ou, je suis allée récupérer des colis chez ma voisine parce qu'il y a encore le même auto-entrepreneur que la dernière fois. Je sais pas si vous avez dit, mais j'avais reçu un colis. Et il me disait que, en gros, mon colis, s'il n'était pas livré, ça serait que dans 2-3 mois parce qu'il serait réexpédié directement. Donc, j'étais en mode, ok. Heureusement que ma voisine était là. Je sais pas, ne prenez pas ce type de coursier, mais bah c'est avec la poste ou autre, c'est bah là non, genre je sais pas. Donc j'ai reçu pas mal de petites choses, je vais déballer ça, je vous montrerai dans un prochain vlog. Ah non mais attendez, ce matin, mais oui c'est la merde, genre vraiment ça m'a saoulé. Je suis partie vraiment en avance, vraiment beaucoup pour pas être en retard. Et j'ai fini une demi-heure en retard. Enfin, heureusement, le mec en avait un peu rien à foutre des retards, mais bon, quand même. Et demain, on a intelligence économique et assurance. Et après, le soir, faut que je prépare ma valise pour aller à Lisbonne. Puisque je pars à Lisbonne ce week-end. Donc, vous l'aurez déjà vu sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à me suivre, c'est Elisa BRTOF. Je pense que je vous aurais fait un petit réel ou quelque chose comme ça. Alors, on va faire les soins des cheveux. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait soin. Putain, mais ce chat. Vous le voyez pas, mais à chaque fois, il saute dans la baignoire. Genre, c'est ouf. Du coup, pour prendre soin de mes cheveux. Bah déjà faut les brosser à chaque fois que vous faites un soin, obligatoirement. Non vous voyez pas mais il est en train de sauter partout, genre à chaque fois il est dans la baignoire, je sais pas ce qu'il a avec la baignoire. Hop donc vous brossez, c'est parfait, c'est génial. Et moi ce que je fais c'est que je prends mon après shampoing tout simplement, enfin mon masque, je mouille mes cheveux, faut toujours les mouiller un petit peu. J'hésite à aller chez le coiffeur, genre la dernière fois la monsieur m'avait trop bien coupé les cheveux. J'avais adoré. Donc là, une fois que les cheveux sont un peu humides, prenez votre masque et vous en appliquez partout. Est-ce que c'est compliqué de prendre soin de soi? Non. Donc je vous invite et je vous incite et je vous oblige à le faire dès maintenant. Vous mettez sur pause et vous allez vous chercher un petit masque. Non, en vrai, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait. Ça fait depuis le mois de septembre, ça fait un mois et demi. Depuis que j'ai commencé en entreprise que j'ai pas fait ça. C'est aberrant. Vraiment c'est aberrant, je suis choquée de moi-même. Et moi je vous conseille vivement les masques Garnier Fructis, ils sont un peu chers. Ils sont, enfin moi je les achète en promotion, ils sont autour de 6 ou 7 euros le pot. Par contre ma brosse elle est imprégnée de produits maintenant. C'est chiant. Ça va toi?
Toujours un endroit, oui. Parfait. Bon bah écoutez, je vais manger et après bah, je vous montre mon petit bain. Ouais. Et bien du coup, nous allons mettre cette petite bombe de bain nuage. J'adore ces bombes de bain, ça vient de chez Lush. En fait, une petite série juste là, je vais me mettre ici. Oh là 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 là, bad bitch. Le bain a été réalisé avec succès, on peut applaudir, voilà. Et du coup, on va faire un masque, on va faire un masque pour les pieds, un masque pour les yeux. Bon, je vous montre pas à quoi ça va ressembler parce que je vais m'afficher. Oh, une petite bougie. Oh, on va choisir la bougie. Eh les gars, on se met dans une ambiance là. Ah merde, il manquait ça à ranger. J'avais oublié de ranger ça. Alors, c'est pas là, Elisa. Il y a ici. Allez, on va mettre celle-là. Ça fait très longtemps, Magic Candle, Enjoy Phoenix, qui se souvient de ça? À l'ancienne, hein. Les collabs et tout, putain, c'était trop bien ça. Moi, je vous dis, ce soir, on se fait une ambiance. Au petit soin, hein, prince? Et aussi, bien évidemment, petit thé citron, voilà, avec du miel. J'espère que ma gorge ira mieux. Là, on va se faire un truc vraiment pas mal, hein. Donc, ces masques-là viennent de chez Action, vous savez, ceux qui me demandent à chaque fois. Les masques pieds sont excellents, je vous les conseille vivement. Je viens de me réveiller, 7h12. Je suis en retard. Comme t'as fait. Je me faisais une réflexion. Aujourd'hui, ça fait 9 ans maintenant que je suis devenue très triste à ce moment-là. Je me dis 9 ans quand même, c'est passé vite, à la fois j'ai vu les années passer. Genre en 9 ans, il s'est passé tellement de choses. En 9 ans, j'ai eu mon bac. J'ai fait 3 licences du coup. J'ai fait un master, je suis rentrée dans une alternance. J'ai fait une chaîne YouTube, je suis devenue modèle. J'ai fait tellement de choses, j'étais ambassadrice de Sephora, enfin vraiment, what the fuck quoi. À la fois c'est long et à la fois on les voit passer. L'année prochaine ça fera 10 ans. J'ai intérêt à le fêter, moi je vous le dis. On va le fêter de ouf. Même si ce sera un samedi, ça va être parfait. Bon et bien voici la tenue du jour. Petit pull. Je l'adore celui-là, il est trop bien. Et ça c'est un bas. Un peu style pyjama, genre il est vraiment tout pilou-pilou. Il est trop trop bien. Genre hyper agréable à porter. Donc écoutez, let's go. Je vais en cours. Une journée à pépite là ça annonce. Non mais regardez quand même, genre c'est n'importe quoi. Heureusement il y en a un qui arrive mais n'importe quoi. Et c'est ça tous les jours hein. Les gars c'est une aubaine, je suis en avance, c'est un truc de ouf. Vraiment c'est fou, en plus il fait beau, c'est agréable. Petit egg-paf et petite citronnade juste après. On est plutôt pas mal. Non mais regardez ces toilettes genre. Ah, je suis morte. Vraiment c'est un truc de ouf, t'as plusieurs savons, différentes odeurs. Bon bah du coup j'ai fait ma petite valise. J'ai pris ça pour le téléphone, pour l'accrocher autour de moi. Donc ça va être ma petite tenue de demain ça. Et j'ai pris un sac comme ça. Voilà, on va prendre ça, j'espère que j'ai tout pris. À chaque fois j'oublie quelque chose. Du coup j'ai mes papiers, j'ai tout, c'est bon. Faudra juste prendre les chargeurs et la brosse à dents. Et on était dans un bar, vraiment il était trop beau. Genre vraiment les toits étaient trop belles. Aujourd'hui c'était vraiment horrible, enfin horrible. La matinée, les 4h30 d'intelligence économique, je les ai pas vu passer. Franchement ça allait, c'était plutôt sympa. Après il y avait assurance avec un courtier, c'est... Oh, j'ai jamais autant galéré de toute ma vie. J'ai fait pendant, le cours en fait des cartes 1000 bornes. Comme carte 1000 bornes, parce qu'il fallait changer les chiffres 0,5 et le numéro 10. Il y en a au moins 30 à faire. J'ai mis une demi-heure par carte. Ça va être plutôt sympa. Arrête de te foutre de ma gueule. Donc bref, j'espère sincèrement que ce petit weekly vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est ElisaBRTOff, à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai dans cette vidéo, c'est juste en bas. Je vous fais énormément de bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo.